Mais tout de suite, retour vers un passé destroy. Ces brèves de comptoir avec un survivant dans l'interview de la semaine. Clément, notre envoyé spécial dans les bas-fonds, a rencard avec un vétéran des années sex, drug and rock'n'roll. Expatrié à New York depuis 35 ans, le français Philippe Marcadet, alias Flipper, a tout vu et tout bu de l'épopée punk. Les New York Dolls, les Ramones ou encore Blondie, il en connaît le meilleur et surtout le pire. Descente aux enfers, overdose et meurtre, mais pourquoi t'es pas mort? Ah bah ça, je sais pas, mais j'ai peut-être du pot, il semblerait. Je suis encore vivant en effet. Bonne observation. En 72, Philippe a 17 ans et prend un aller simple Paris-New York. Il s'installe dans le Lower East Side, en plein cœur de Manhattan. À deux pas de chez lui, les mythiques clubs du Max Kansas et du CBGB, futur berceau de la scène punk. Dès 77, Philippe monte son groupe, les Sanders, son ticket d'entrée pour faire copain-copain avec Blondie, les Cramps ou les Talking Heads. En même temps, en première loge et dans les coulisses du punk, il en tire aujourd'hui un livre, Au-delà de l'avenue D, du nom du pire coupe-gorge de New York. Dans son livre, Les héros de l'underground, il laisse des plumes. J'allais chercher mon aspirateur parce qu'il était pété. Et donc il était chez le réparateur d'aspirateur. Et puis je passe sur la 23e rue dans le Chelsea Hotel et sort Nancy. Et elle me dit, ouais, Philippe et tout, il faut que je te présente Sid et tout. Lui, il sort, c'est une bêcheuse, quoi. Salut et tout. Et puis elle me dit, bah qu'est-ce que tu fous? Je lui dis, un peu gêné, bah je vais chercher un truc. Et lui, donc, étant pensant à qu'une seule chose, là, devient plus intéressé, il me dit « Et tu vas chercher quoi ?» Et tout, un peu discreto, comme ça, « Tu vas chercher quoi ?» Et tout. Alors, me retrouvant un peu comme un con, je réponds « Inspirateur ». Et c'était trop marrant, parce qu'il a cru que c'était un argot new-yorkais, un terme de cam. Donc là, il était hyper intéressé, il se rapproche tout près de moi, il me dit « Ah ouais, un aspirateur ?» C'est quoi? Et alors je lui dis, bah un aspirateur, tu sais, tu branches dans le mur, pour laver le tapis. Ah, il comprenait plus rien du tout. Il regardait comme si j'étais complètement marteau. Aspirateur. My baby, she glows in the dark. Autour de lui, c'est l'hécatombe. Sid Vicious, Jeffrey Lee Pierce ou Johnny Sanders prennent l'express pour le cimetière. Philippe et ses Sanders tiennent bon jusqu'en 2001. Cette année-là, le groupe s'écroule, laissant derrière lui un sourd, un mort par overdose, un bluesman et Philippe, organisateur de soirées pour les comités d'entreprise. Hormis un clip, les Sanders ont aussi 2-33 tours à leur tableau de chasse. Une vie bien remplie. Je vois notre disque par terre et dans un flea market, quoi, dans un marché aux puces, et dans la rue, je vois le disque des Sanders par terre, enfin le mec avait des disques sur un drap par terre, comme ça. Et puis je le regarde comme ça et je vois, il y a une petite étiquette avec écrit 1$. Et le mec me dit, oh, ouais, super bon disque. Je dis, ouais, non, je connais, j'étais dans ce groupe d'ailleurs. Et alors là, il me voit sur la pochette et dit, ah ouais, tu signes? Alors, je signe mon nom, puis je me barre. Et puis je reviens quelques heures plus tard et je vois qu'il était toujours là, mais il avait changé la petite étiquette, maintenant c'était 1,50.